Bonjour à tous et à toutes, c'est Nathan, aujourd'hui toute nouvelle vidéo où aujourd'hui les potes, on va réagir aux blagues de Toto. Mais juste une chose à vous dire, merci pour les 34 abonnés, ça me fait vraiment plaisir. Donc je vous dis, c'est parti. Donc les potes, on est parti pour les blagues de Toto, donc c'est parti. Alors, Toto et les maths. Première blague, hein. Toto fait des maths. Toto, si tu as 10 bonbons et que Mathieu t'en prend un combien, il t'en reste 10 bonbons et un cadavre. Oh, ouais, d'accord. Mais en fait, lui, il pense qu'il y a la nourriture, hein. Toto et les maths toujours. Toto, si je te donne 50 gâteaux et tu en manges 48, tu as donc mal au ventre. C'est vraiment une belle blague. Ah ! Toto à l'école. Toto a eu 20 sur 20 en rédaction et sa maîtresse lui dit : tu peux me l'avouer, ta mère t'a aidé. Non, elle ne m'a pas aidé, elle l'a fait toute seule. Toto à l'école. Toto rentre de l'école visiblement content de lui. Il dit à ses parents : aujourd'hui, grâce à moi, la maîtresse nous a appris plein de mots nouveaux. C'est bien, mon fils, répond le père, mais qu'as-tu fait pour ça ? Oh, pas grand-chose. J'ai seulement mis 3 ou 4 punaises sur sa chaise. Oh, ah là là, sacré Toto. Toto, arrête de tourner. Toto, arrête de tourner. Toto, arrête de tourner. Toto, arrête de tourner ou je te cloue l'autre pied. Ah là, elle est belle la blague. Blague, Toto. Bonjour Toto. Bonjour mémé. Si tu me dis combien j'ai de bonbons de maman, je te les donne tous les deux. Tu en as deux? Qui te l'a dit? Ah oui. Oh là là, vous êtes prêts pour un long texte là. Blague de Toto au bordel. Toto traverse le quartier le plus haut de la ville en voiture avec son papa. Dit papa, qu'est-ce qu'elles font les dames sur le trottoir? Embarrassé, le père s'en tire par une pirouette. Elles vont du bonheur? Une fois à la maison, Toto se dit qu'il en achèterait bien un peu de bonheur. Il casse sa tirelire, prend son billet de 20 euros et sort de la maison pour aller voir les dames. Une fois rendu dans la bonne rue, il se dirige vers la première dame, lui tend le billet et lui demande un peu de bonheur. La professionnelle est un peu décontenancée. Elle évite depuis longtemps toute infraction à la loi. Mais d'autre part, elle ne peut cracher sur 20 euros en ces temps de crise. Elle ramène Toto chez elle et lui prépare 3 tartines avec une bonne couche de Nutella. Enfin, Toto rentre chez lui où ses parents inquiets lui demandent où il était passé. Il regarde son père et lui dit qu'il était parti acheter un peu de bonheur auprès des dames qui lui avaient montré de la voiture. Horrifié, le père lui demande ce qui s'est passé et Toto répond : pas de problème avec les 2 premières, mais pour la 3e, je n'en voulais plus. Alors je l'ai seulement léché. Alors, désolé, c'était un peu long. Mais celle-là, j'ai pas tout compris en fait. Blague sur Toto, première journée. Toto rentre à la maison après sa première journée à l'école primaire. La maman : alors Toto, tu as appris beaucoup de choses aujourd'hui ? Toto : pas assez en tout cas. Ils veulent que j'y retourne demain. Ok. Bon, on va faire à peu près les 5 pages, sinon on en fera plus, on va voir. Non, mais souvent, les blagues de Toto, on rigole bien. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Prochaine blague. Toto à l'hôtel. Toto est dans le couloir d'un hôtel, en passant devant une porte, il entend « Oh oui, oh oui, s'il te plaît chérie, mets ta saucisse dans mon hamburger. » Toto s'écrie alors « Vous voulez du ketchup ?»
Oh là là, ah, c'est trop bien. Les maths à Toto. Le professeur demande à Toto, Toto, 3 et 3, ça fait quoi? Match nul, monsieur. Ah, ah ouais. Ah ouais, elle est bien celle-là. Ah ouais, ah ouais, c'est bien ça quand même. Blague de Toto en Amérique. Connais-tu la blague de Toto en Amérique? Non. Moi non plus, il n'y avait plus de place dans l'avion. Oh. Toto toilette. Ah, je la connais, je pense. Tu connais l'histoire de Toto aux toilettes? Non, c'est normal. Il a fermé la porte à clé. Le professeur. Si je dis j'étais belle, c'est un là parfait. Et si je dis je suis belle, qu'est-ce que c'est Toto? Toto, c'est un mensonge, madame. Meilleur que la maîtresse. Toto qui rentre chez lui annonce très joyeusement à sa mère. Maman, tu ne devineras jamais, mais je suis meilleur que la maîtresse. Ah oui? Pourquoi? La maîtresse reste dans la même classe et moi je monte dans la suivante. Ah ouais, c'est bien. Alors, note du devoir. C'est Toto qui rentre de l'école tout content. Il dit à sa mère, maman, je suis le seul à ne pas avoir eu zéro devoir. Le maître m'a dit, Mathieu, 0, Thomas, 0, Christophe, 0. Et Toto, idem, tu peux être fier de moi. Mais c'est quoi idem en fait? Oh, je ne comprends pas. Donc voilà, on a terminé. Les questions, bah il y en a beaucoup plus, mais on a fait pas mal, je trouve. Donc voilà. Donc les potes, voilà, la vidéo touche à sa fin. Bon, ça m'a plu, c'était assez drôle quand même. Les blagues de Toto sont toujours assez marrantes, hein. Très très marrantes. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et commenter si, bien sûr, les commentaires ne sont pas désactivés. Bien sûr. Donc, moi, je vous dis. Donc, les potes, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et voilà, quoi. À plus tard, les amis, à plus tard, les potes.